Ok, avec la presse, on est à 210 après chaleur, 210 en haut, 215 215. en bas. Là, dans le fond, on va envoyer 20 000 PSI De de presse. pression. Oh shit. Ça va C'est écraser. lourd. C'est C'est lourd. supposé, la compagnie dit que c'est supposé être bon pour 100 grammes, la shot. C'est fait pour des producteurs comme toi. Ah, Moi, à date, je le fais à coup de 1 once ou un 14, ça sort ok. bon. Puis. Un once ou un cateau qui t'a des meilleurs rendements? Mettons la même Moi, je te souche dirais, le là. meilleur rendement, c'est au Au 14. 14. Puis combien tu t'entends? Mettons que tu pèses un cateau. Tu sors en grammes de rosin. Environ, c'est à peu près, je te dirais, 1 gramme, 1 gramme 3 ou 7. Ok. Quand même bien. Ouais, c'est quand même bien. Pour la qualité que ça sort, là, c'est vraiment bien. Ben Mais oui. c'est sûr qu'on peut t'en faire pisser, comme tu vois dans les vidéos aussi, là. Mais ça, là, le goût, il n'aura pas, là. Ouais, bonjour. T'sais, c'est... Plus il va beau, plus ça va sortir blanc, puis une belle qualité. Soit que tu penses que tu vas ultra bas, puis tu fais la durée de presse ultra long, ou que tu vas un petit peu plus chaud, mais que tu vas un petit peu C'est plus ça, rapide. ouais, c'est ça, en plein Mais ça. ça dépend aussi des souches, il y en a qui sortent un peu plus Ouais, à c'est des grosses plus chaleurs comme. les gros argan pis tout, Ok. là, ça sort, là. Mais, tu sais, quand tu veux te gâter avec des goûts fruités, ça sort au moins, mais tu te gâtes sur un Et excitant, voilà, là. c'est comme les champagnes, Ouais, là. c'est ça. C'est le prix à payer pour la grosse qualité. C'est ça, tu payes toujours dans la vie. C'est correct. Ok. Je suis quand même très curieux. Alors, on pourrait essayer ça? Oh ouais. Fait qu'on va commencer, on va presser du Girl Scout Cookies. C'est un cadeau qu'on a dit qu'on a ici? Ou c'est combien, excuse? Celle-là, quoi? En quantité, on avait combien ici? Ici, il y a un 14 dans chaque pot. Un 14 dans chaque pot? Ok. On va sortir de quoi de beau? Penses-tu qu'on serait mieux de leur peser juste pour qu'ils voient la différence si on veut, Pas de mettons, montrer trouble. les chiffres Pas de sur trouble. le retour qu'on a? Ok, on va sortir la balance. Ok, donc au final, pour la première presse, on a 15,19 grammes de Girl Scout Cookies. Poussée maison, plantation médicale. Et t'es écœurant, le cannabis. Créer des coins. Ouais, c'est ça. Sinon, ça va défoncer. Faut vraiment que tu fasses attention. On remplit le sac, un filtre pour éviter que tous les résidus se retrouvent dans notre concentré, dans notre jus de Ouais, cannabis. c'est le même principe que les sacs à hache. C'est en 120, 90 microns, Oh, celle-là. 90, c'est quand même une bonne qualité qu'on va sortir là. Oh, et on parle de quoi de bon, là. Tabarouette 90, nice. On va essayer de pousser ça bien comme il faut pour m'en mettre le plus possible. La clé là, c'est de prendre le temps de bien faire ça, parce que des fois, on est tellement pressé de voir notre rosin puis de voir notre produit final qu'on va peut-être skipper des étapes, on aura pas assez pressé dans le sac, puis oups, on va tout. Ouais, c'est en plein ça, ben Ou oui. on peut causer même des blow-outs, là. Je veux dire que le sac il fend parce qu'on a voulu presser trop vite. Ouais, c'est comme n'importe quoi. Plus tu prends du temps, mieux c'est, hein? Faut juste prendre le temps de bien le faire. Parce que, hey, après, avec toute la table, puis les efforts, puis l'amour que t'as mis pour faire pousser la plante, on peut, ça serait plate d'arriver là puis tout gâcher parce qu'on a voulu aller trop vite. Ah, mais c'est Ben, hot. ça rentrera pas d'après moi. On va être obligé d'en faire deux. En deux presses On va ou. chercher à faire des pas. Ouais. Ah, c'est hot. T'as-tu une génétique que tu préfères, toi, pour faire Moi, la ça dépend de rosine? ma journée, ça dépend comment j'ai mal. Puis pour la rosine, excuse-moi. À date, je te dis que je viens de commencer, mais j'aime bien le Girl Scout. Celui qui t'a produit Ouais. le qui t'impressionne le plus? Ouais, sur la saveur, là, tu vois Ok. que c'est assez impressionnant. Il est intense, là. Nice. C'est un sativa. Tu sais, il t'endort C'est pas trop, là. quand L'autre, c'est un même, ouais. indica, là, puis il t'endort pas mal plus. Le Girl Scout, là, c'est hot parce que. Ah, on va le rentrer. Tu vas-tu Hey, l'avoir? Aïe, aïe, mais c'est parfait parce que plus que c'est compacté, plus que. Là, ça va être dangereux que le sac qui fend. ouais, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a moyen de presser encore plus lentement, genre, pour être sûr qu'il Non, blow c'est out ça pas? qui est plate. Parce que c'est souvent que. Mais tu sais, il se donne un petit punch à la fin. Tu l'entends qu'il presse un petit peu plus à la fin. Ok. Il attend un peu. Parce que des fois, on peut s'aider, j'ai entendu dire, en mettant de la chaleur puis en pressant ultra tranquillement pour le faire travailler, travailler, travailler pour être sûr que le sac ne fende pas. On peut être avec 15 grammes calculé pour un 14.
Ouais, Ouais. on peut sacrifier 1 gramme. Il n'y a pas de problème pour ça. Aïe On va le fermer bien aïe. comme il faut. C'est écœurant tout ça. Ça, je vais vous donner le papier. Bon, là, là. Donc, au final, là, toi, tu préfères-tu fumer de la rosine déconcentrée ou fumer la fleur? Ou du hash même? Moi, je vais te dire, honnêtement, une petite pop de concentré après le joint. Wow! C'est ça que j'aime. C'est malade. Je Tu pense pareil. buzzes, tu maintiens. Et voilà. Je suis pareil. C'est malade. C'est ça la clé, je pense. Ah, c'est ça. La fleur, ça reste toujours bon, là. Autant que les concentrés peuvent Mais être les goûteux, puis ouais. concentrés. C'est deux de mondes différents, mais. Parce que tu peux pas juste fumer ça. Ça Ben. reste comme les zombies. À moins que tu focuses gros des gros, ça t'y va clair sans arrêt, mais justement, mais même à ça, tu sais. Ah. Soit du. C'est fort un peu. Ça reste, oui, ça reste fort. Puis il y a tout le temps une joie puis un plaisir relié à fumer la fleur aussi puis de la savourer, mais. Ah, la qualité. À la Bob. Avec les petits amants. Ah, il y a le beau setup. D'après moi, on va avoir une belle prise de vue là-dessus, là. Oi, oi, oi. Ok, c'est incroyable. On est prêts? Wow! Rose and Press. Ça fait des années que j'attends ce moment. Un Go! gros merci. La magie. Faut être patient. Là, on est parti pour un 90 secondes, c'est tout ça? Ouais. Il Il en reste reste une minute, 56. 55 secondes. Ok. À partir de combien de temps que le jus commence à sortir la plupart du temps? Ben là, ça commence là. Mais je l'ai peut-être poussé un petit peu trop loin. Ça va sortir autant, mais c'est juste moins. Le prochain, on va essayer de le sortir plus. Ben, c'est bien correct. Au final, on va tout de même bien voir. Quand ça va, quand la planche va lever. C'est là qu'on va avoir le money shot. Aïe aïe, ok. Ok, on a le timer ici, ouais. 27, 25. Puis là, j'étais pas mal à la frette aussi. J'aurais pu le mettre à 230, puis là, ça sort pas mal plus vite. Mais j'aime mieux basse température, puis Ouais, tout moi le aussi, pour la saveur. reste. Ça vaut la peine de prendre. Aïe, aïe, Peut-être pas assez pressé, on l'a pas mis assez épais. Oh, il est supposé en sortir trop, il y a le sac qui a viré. On a juste ça, mais attends, on va te marquer Ben, c'est écrasé. pas grave, il a l'air quand même beau pour ce qu'on a. On a eu un petit problème avec le sac, mais c'est pas grave. Ah, il n'est même pas On chaud. peut le represser encore, Ah, mais. c'est pas chaud. Pour ce qui est sorti, ça a l'air d'être écœurant. Oh mon Dieu. T'as-tu détenir Bon, le on va sac, le aller. papier? C'est notre premier test avec une presse. Girl Scout Cookies. Pas assez La chaud. couleur est folle. La couleur était écœurante par contre. Mais justement, ça n'a pas été assez chaud pour sortir la grosse quantité, mais on voit Ouais, la c'est grosse ça, ouais, qualité, c'est la là. qualité, là. C'est écœurant. On va aller en sortir d'autres. On mélangera pas celui-là avec les autres d'après moi. Ah, il y a de l'air beau, lui. C'est des petites bulles à grandeur, là. Une presse, d'après moi, c'est un or. C'est Ouais, un c'est or, une sûr, presse. man. On dit, ah, oh, c'est facile, tu passes un piton, puis ça se fait tout seul, mais. Je pense que avec toutes les variantes, autant que les génétiques, c'est pas toutes les génétiques qui aiment les mêmes températures, toutes les. Je pense que c'est. 220. Avoir, Oh, là, on va le mettre à 220, deuxième passe. On va. Anyway, on a vu avec la première que ça a fait. Fait quoi, 220, ça me semble juste. On est parti pour la deuxième presse sur le Girl Scout Cookies. Au final, on avait tout rentré, ouais. Même le temps, il y a 4. Aïe. Mais comment ça t'as acheté une presse au final? Ben, c'est pour avoir des concentrés. Moi, le butane, j'aimais pas ben ça. Ok, c'est vraiment Le fait de faire
T'étais pas à l'aise? Les résines, ouais, non. Les inconvénients. Le butane coûte cher aussi. Mm-hmm. C'est tous des facteurs qui me font que, parce que c'est plus naturel. Je veux garder mes terpènes. Ouais, c'est très. On va chercher ce qu'on veut. Là. En plein ça, c'est vraiment. Si tu veux de la qualité, tu presses plus chaud. Moins chaud, excuse. Si tu veux de quoi à fumer. De la quantité, mais qui reste quand même de la très bonne qualité. Ouais. Là. Juste qu'on. Il y a tout un prix à payer entre saveur et quantité. Ben, je comprends, c'est vraiment. C'est comme si ta presse. Là, celle-là, tu vois, elle va sortir plus foncé. Là. Ok. Mais comme là, c'est la presse, c'est un esprit de beau modèle. Double écran, tout est bien minuté, contrôlé. La pression a de l'air excellente. Ah ouais, l'unité est vraiment belle. Faut que les fleurs soient bien bien secs aussi. T'as pas trop trop là, mais mm-hmm. Là ils commencent à. Ils sont pas pires, mais. On m'a demandé si graines, ça aurait pas été mieux. Non, je pense. Ou juste les défaire à peine les cocottes là. On peut essayer pour l'autre. Ouais, on essaiera, on va avoir une comparaison. On check ça. Oh! D'après moi, on a un gagnant là. Oh. Puis elle est pas si. Non, elle est pas si mal. On prend encore le pressé. On va faire une troisième presse s'il faut. C'est bon. Deuxième presse, Girl Scout Cookies. La première, on a eu la grosse qualité, la grosse saveur. On a encore de la grosse qualité, mais là, on y a été plus pour quantité. Là. On va essayer une troisième fois qu'on dit. Oh, on essaie une troisième fois. À 30, montrer la différence qu'on fait. À chaque fois, on augmente un petit peu la. On va essayer de voir jusqu'où qu'on peut la squeezer, cette plante-là. Ça a blessé. Troisième shot. Troisième shot. Oh. Emergency. Fait que tu me dis que ça faisait combien de temps que tu étais avec ta carte médicale et que tu faisais ton propre stock maison? Depuis 2004. 2004? Ouais. Wow. Ça fait un bon bout que tu es dans cet univers-là, je peux dire ça de même. Oui, oui. C'est pas depuis la légalisation, là, non. Non, c'est fait un bout. Aïe, aïe. Je peux-tu te demander vaguement qu'est-ce que tu penses de la SQDC? C'est une joke? Non. Non, mais c'est quand même une bonne réponse, je trouve. Moi, je trouve que c'est un dépanneur. Tu sais, je comprends pas que même les Indiens sont capables de faire mieux que les autres. Tu sais, c'est ce que je comprends pas, là. Mais. T'aimes pas ça, toi, avoir des belles feuilles dans tes pots? Non, des feuilles. Y a-tu des cocottes aussi? Des cocottes? Je n'ai entendu parler. La feuille, y en a. Ah non, je l'ai essayé comme tout le monde, mais j'ai pas adapté. Non, mais c'est comprenable, là. C'est vraiment trop cher. Mm-hmm. Vraiment trop cher, ça n'a pas d'allure. Surtout que toi, t'es quand même bien positionné, fait que dans ta situation, y'a aucun avantage à aller non, voir. Non, non, vraiment pas. Juste la curiosité. Mm-hmm. Je suis ultra reconnaissant que la légalité nous amène toutes ces nouvelles génétiques, mais ouais, on s'entend que les compagnies légales ont encore bien du travail à faire sur la qualité de leurs fleurs. Bon, faut qu'il arrête de penser que le signe de pièce puis plus passe au client. Ouais, c'est trop nouveau encore. Puis si le problème, c'est qu'il y a tellement pas de concurrence. Puis là, toutes les compagnies sont en train de se faire acheter par les quatre mêmes. Ah, c'est ça. C'est au final, le monopole. Ça va encore rempirer parce que il n'y a plus de concurrence. C'est le nouveau vidéo. Mm-hmm. Le nouveau Hydro-Québec. Ah, ouais, puis même dans les compagnies médicales, ils se font tout acheter. C'est con. C'est con. Broken Coast, peu importe. Là. Il ne reste plus rien. Nul qui a bien placé ses cartes, c'est qu'il s'appelle Trudeau. Non, mais ça ici. Ah, tu savais ce qu'il faisait pareil. Tabarouette, on a encore du jus, même. Troisième presse. Du miel. Ok, man, c'est naturel à ce fuck, là. C'est satisfaisant, celle-là. Ouais. Nous, d'après moi, on est rendu. On l'a étiré. Mais c'est pas grave. On voit quand même la différence, puis on voit quand même jusqu'où qu'on peut le pousser, puis quand même les quantités qu'on peut sortir. Aïe, aïe. On s'est fait peur le premier. Non, mais autant que ça fait peur, autant qu'on a une qualité exceptionnelle. Ouais, c'est ça, panier, c'est... Hein. Tu y vas avec. Mm-hmm. Sacrifie quantité pour qualité. Mm-hmm. Nice. OK. Tu peux t'approcher. On a nos trois presses. Première, deuxième, troisième. On va collecter celle la première. Ou on se fait juste l'équivalent pour une dab. Ouais. La texture a l'air ridicule. Si vous voulez me le remontrer, là. Oh, mon Dieu. OK.
Faut pas être trop doux avec normalement pour nous récolter. Faut être bien. Oh mon Dieu. C'est vraiment beau. Ça va fondre la lumière. On va en pogner une bonne quantité là. On va prendre le money shop. Waouh! La première presse, là, elle a vraiment sorti de quoi de magnifique. C'est mignon. Ouais. C'est un truc, garde ton bout là, puis va vite dessus. Ouais. Je te parle pour. Ramasser. Je veux genre. L'étirer. Oh ouais. Je vais trop jouer avec, elle sera plus ramassable après, mais c'est pas grave. Elle mettra 2 secondes au frigidaire, c'est de quoi. C'est quand même. Une couleur perlée un peu, hein. Ah, c'est vrai. Ça a l'air d'avoir du goût, cette affaire-là. Malgré la chaleur, si vous êtes capable de ramasser. Quand même bien. Ah, elle se ramasse super bien. La consistance là, est vraiment satisfaisante. Girl Scout Cookies. Parfait. On va se faire des dabs, on va récolter le fruit de nos efforts. Puis c'est pas moi qui ai fait les efforts là-dedans. Oh non. On va aïe aïe. Je bouge trop. Une bonne petite dab. La première presse à 210 degrés Fahrenheit en fait. 90 secondes, ouais. Bonne petite dab. On a un e-nail. Pas équipé à moitié, on peut avoir une température contrôlée. Incœurant. Tu peux mettre quelle température? 600. 650. Ça, c'est ta température. Ouais, moi, pour avoir le plus d'arômes possible. Okay. Mais parfait. Les autres, mettons 702, là, si tu veux une bonne grosse chatte qui cogne, là, 702, là, c'est l'idéal. Mais avec de quoi l'autre aussi. Moi, je vois ça, ouais. 650. Parfait, ça, c'est ça. Ça va fondre tellement vite, de toute façon. Ouais. Hein. T'essaieras de pogner une bonne shot, justement, de. Ou au pire, tu vas te donner la première puff. Non, prends-la. Ah ouais? Est-ce qu'on peut y aller? Dans 40. Oh, c'est bien correct. Check ça. J'ai une table à me placer comme il faut. C'est plus calme. Comme ça? Mm-hmm. Aïe, aïe. Le look là, de la première, c'est ridicule. Ouais. C'est bon ça. Deuxième aussi. Mm-hmm. Après moi, il en reste la deuxième n'est pas sous-estimée. C'est la troisième, un petit peu plus foncé, un petit peu plus vert. Ça, c'est parce qu'on voulait vraiment tout pogner ce qu'on pouvait. Là. On a quand même notre qualité, puis ça, c'est. Faut les grosses pas faire, faut le choisir. Et voilà. Reviens. Ok. C'est parti. Girl Scout Cookie, première prise. Oh my god. Je m'empêche de faire ma dame. Yeah. Je suis pas capable. J'essaie de tourner, mais j'ai comme. Je
s'en va dans le temps. Ah ouais? Le goût? C'est ça, goût. Attends, attends. Tour à Jenny de goûter le concentré maison. Tu peux le lever là. Ah oh. Ça rentre au poste. Efficace. Le tour. Tantôt, je sais pas si tu te demandais si tu faisais pousser du haze. Non, ouais, c'est vrai, là, de même, là, je trouve que l'odeur du haze est sortie. Oui, il y a une petite odeur. C'est quand même assez cérébral comme effet. Ah, c'est quasiment instantané. C'est hot. Quasiment. Pratiquement, ouais. Ok. Ouais. Deuxième. Non? Ok, on va récolter le deuxième au complet. On a, au pire, veux-tu le récolter? Ça va être... Je pourrais. C'est bien correct, je peux me le filmer. Hey, ça écrase sur le bout. Et puis on va tasser la pièce. On va tasser ça. Je nettoie celle-là, pour la vie. On va nettoyer ça. Tu vas prendre un café pour la route? Tu vas remettre les idées claires? Ouais. Un latte? Ok. Tu peux avoir? Ah non, c'est correct. Un café? Un café? Non, c'est correct, pas de soucis. C'est sûr, j'ai un cognac, c'est. C'est sûr, ça réveille. Mais sinon, moi, après ça, on va t'en prendre un café parce que ouais, veut... je trouve que café et cannabis, c'est deux drogues qui sont super bien ensemble. Ouais. H-café. 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 D'accord avec ça. Pas de café, non, mais H-café. 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 Velouté, savoureux. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça se contraste bien. Ouais. Aïe aïe, ok, on récolte la deuxième presse, 220 degrés, 80. Aïe aïe, c'est sapi! Le son là. C'est hot. Oups. Aïe. Je rêve du jour que je vais pouvoir faire ça à ma maison. C'est que. La texture est vraiment belle, même pour une deuxième presse. Wow. Comme là, ça fait un bout qu'on l'a pressé puis qu'il y a quand même à chaleur de la lumière. Là. Oh! C'est beau. C'est vraiment du miel. La sève de la plante. La pureté. Aucun solvant. Tout ce que seulement ce qu'on veut. Seulement ce qu'on veut. Efficacité. On peut y aller à micro-dose. Pas besoin de se scraper les poumons puis de passer une heure et demie à avoir la gorge sec et à boire de l'eau. Tu y vas à ton rythme.
Il y a beaucoup de méthodes des fumées, les concentrer en plus. Là. Tu peux le fumer au joint, tu peux le fumer à pipe comme ça. Ouais. Il y a des vapoteuses pour ça. Tu peux. Ouais, tu peux faire des liquides à vapoteur, une vapoteuse avec ça. Ouais, avec du e-juice, là. Ouais. Je veux faire une vidéo là-dessus à Mané. Si à Mané, vous êtes down, là, de faire. Qu'on fasse de la rosin, puis qu'on le dilue avec le produit pour faire du e-juice, là. Qu'on puisse vape. Tout, là. Ouais. Qu'on puisse vape de la propre rosin qu'on a faite, ça serait écœurant. Ouais, ouais, ouais. C'est mon chum qui fait ça. Ah ouais. On lui fait les bonbons, puis il fait ça. Ah, c'est hard. Vitreuse. Ah, tu l'as fait noir ça. Bah. Non. Elle est quand même très belle. Juste parce que. Oh, non, elle est quand même très belle. Nice. Hey, ça a été nice. Elle est très belle. Bon. Qui coupe la seuille. Tu peux y aller, sinon on va y aller tout à fait. Je suis le train mieux au Q-tips. Ah ouais, je suis le train mieux au Q-tips. Q-tip boy. Un préposé au Q-tip et demandé. Un associé au Q-tip. Un associé, ça rigole plus là. Là, ouais, le ratio entre prise de vue puis pas de notre ennui. T'as trop de cheveux. T'as pas capable d'être aussi. C'est très gros ça. Et ça va être une maudite belle foutue pangue. Essaye. Tu peux t'approcher. Vous partagerez au pain. Tu vois-tu bien? Le but foutu. Deuxième presse. degrés, 90 secondes. Quand même pas si mal au goût pareil. Un petit peu plus. il pique. Mm-hmm. Pique un petit peu plus. Ouais, on la sent un peu plus passer, mais. Quand même capable de l'apprécier pareil. Ouais. Ah, c'est bien, vraiment bien. Ok. On avait la troisième presse parce que elle va être plus difficile à récolter d'après moi. Là. Oh, c'est pas. Ah, d'avoir la résistance, en fait, la texture qu'on va avoir là-dessus. Pas de contaminant. On le contamine avec la meilleure qualité. Ouais, c'est ça. C'est un paradoxe. Dans lui, on a un petit peu de grains qui ont sorti. Mmh. Là, c'est la troisième fois qu'on le pressait. Ouais, le sac, trois fois de presse. Mmh. On l'a étiré. Ouais, il était un peu plus collant. Un peu plus liquide. Ouais, c'est ça. Là, on a cet extrait un petit peu plus. Il me fait penser à ce que j'ai déjà eu extrait à deux fois passé du pot dans le butin. Deux fois. Non, deux fois. Ça a, pas, ça a sorti plus liquide, dégueulasse, pas fumable. Ça extrait les huiles moins agréables. C'était un test. C'était pas pour fumer, c'était un test. Ça se ramasse un peu moins bien. Peut-être que si on la mettrait au froid. Ah, c'est ultra rapide avec. Mais plus que t'en as dessus, plus que ça se ramasse bien des fois aussi. Ouais. C'est comme tu veux t'abattre. Ça ramasse un fond. Mmh. Allez, go. C'est parti. On peut se faire. Allez, go. Ça a de l'allure. Plus foncé. Ça fait moins. Ça ramasse moins bien que les deux premiers. Mmh, mais c'est pas surprenant étant donné les circonstances. Ouais, c'est ça. Mais on est quoi pareil. Là, on est rendu à un point que le froid va être notre ami. Ouais, on n'en aura pas besoin. Oh, ouais. Mais quand même!
On a une couleur un petit peu plus verdâtre foncé, mais c'est pas si pire. C'est quand même doré. Quand même. C'est respectable. Pour une troisième presse, c'est très respectable. 230 degrés. 230 degrés. Un petit peu plus de chaleur. 2000 livres, 20 000 livres. Toujours 90 secondes. PSI de pression. Ben, livre de pression plus haut. Ça équivaut à peu près à 2 tonnes. Ok. Ouais, bon. C'est ça, 2 tonnes. Une... Ouais, environ 2 tonnes. Une presse de 2 tonnes. Ok. On va essayer de goûter ça, ouais. On va essayer. C'est après moi, on va avoir risque de voir une différence assez dramatique sur le goût. Là. Préparer une petite pomme. Oh, je fume un pétard! Petite aiguille? Pas une aiguille! Ok. A small dad! Ça fait quand même trop. C'est chaud ça! Mm. Ouais, il avait laissé le truc dessus en plus, c'est que pas quoi. Regarde sa chaleur. Cocotte. On va voir lui si je suis capable de pogner aussi. Il bobole pareil. C'est pas si mal, il est vraiment. Troisième le presse. 230. Oh, c'est chaud. Oh oui. Oh. C'est bon ça. Aiguille. C'est quoi qu'il y a dans ta petite aiguille déjà? Il y a du hash, il y a de la du finger, puis il y a du. Celle-là, c'est du girl scout cookie. Oh! Le stock qu'on vient de presser, là, on l'a en fleur ici, avec du hash, du finger hash aussi. Écœurant. Probablement la même chose que ça. Non, oh, ça ressemble pas bien. C'est lui que j'ai. Ouais, le ouais. Le hash, pas le finger. Mmh, c'est délicieux. Aïe, aïe. Est-ce que Destiny nous permet pas de nous faire des belles petites recettes, de même des, beaux petits, non, des belles petites salades? Faut qu'on. Faut plaisir. Faut qu'on se gâte nous-mêmes. Faut pas s'habituer de même. Ok, fait que. Caméraman. Peu importe. Ok. Une grosse. Ouais, mais bien pas fou. Tu veux que je le fasse? Ah ouais. Peut-être prendre une gorgée avant pour favoriser mes chances de survie. Mes chances de succès. Ouais. On va rapprocher de la lumière peut-être aussi. Défi maison. Hashtag challenge numéro 2. On m'a proposé cette belle dab. One shot. Je sais pas combien il y a là-dedans, mais. Challenge. La stock est vraiment beau. Ça va la glace. Ok. Je suis prêt. C'est beau. Wow. Puis pour la troisième, ça cogne-tu? Petite larme.